sportivement, c'est sûr que le retour des joueurs était important, même si dans le même laps de temps, on a perdu William Acambray et Mathieu Grébille sur le dernier match. C'est vrai que le retour sportif était important. Maintenant, c'est pas parce que les gens sont là physiquement que le groupe s'est reconstitué. Le groupe s'est reconstitué physiquement, mais mentalement, on est encore loin du compte parce qu'il y a encore dans cette équipe et dans ce groupe beaucoup de non-dits, beaucoup de choses cachées, beaucoup de petites choses qui sont des freins à l'unité de l'équipe et à la dynamique de l'équipe. Mais attendez, je vous l'ai dit avant le match de Célestat, je vous ai dit, bon, vous comprenez bien qu'on n'a pas tous envie de se sauter dans les bras et de s'embrasser, voilà. Aujourd'hui, il faut pas non plus exagérer sur cette dimension-là. Aujourd'hui, on a besoin de réapprendre à bien jouer au handball ensemble, à fonctionner ensemble et à travailler ensemble. Voilà. Après, les relations humaines, aujourd'hui, dans cette équipe-là, elles sont un peu altérées. Voilà. Mais on peut quand même avancer et faire des choses. Et c'est une nécessité absolue, ça. Moi, depuis le début, j'aurais aimé qu'on soit dans la clarté, dans l'honnêteté, dans le respect du club, dans le respect des valeurs, dans le respect de l'éthique. Et le respect de l'éthique et le respect des valeurs, c'est aussi quand on a fait une faute, dire « j'ai fait une faute, je regrette, je m'excuse, je paye ma faute et on avance ». Voilà, c'est aussi ça. Mais d'un autre côté, si les gens n'ont rien fait, ils n'ont rien fait non plus. Voilà, donc je ne sais pas. C'est pour ça que c'est compliqué, c'est qu'on ne sait pas. Donc... les cicatrices sont là et comment dire, tu peux bien recicatriser que quand la source du mal, elle est connue, elle est identifiée. Là, aujourd'hui, il y a encore trop de choses qui viennent de manière permanente remettre un petit peu un peu d'huile sur le feu. Beaucoup de déclarations, beaucoup de paroles, beaucoup de... Voilà, ça fait beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait se concentrer sur l'essentiel. Et c'est ce que j'essaye, moi, de faire. Mais à ma place, d'essayer petit à petit de ramener tout le monde sur la concentration, sur ce que doit être notre travail et sur l'essentiel de notre travail.